Je remercie les présents. Je remercie M. Bousquet, mm-hmm. qui est président, c'est ça? Non, membre. Membre de la Société des Amis de Louise Pauli. Oui. Je le remercie d'autant plus qu'avant de le connaître ici, j'avais eu des relations téléphoniques et épistolaires avec lui, puisque quand nous avons eu besoin, à Paul Valéry, de mettre sur un site internet des documents concernant Louise Pauli, des photos, nous avions bien entendu besoin des droits. Et par une espèce de... Je ne sais plus comment j'ai reconstitué le film, mais il y a eu une certaine quête avant de tomber sur vous. Et dès que je vous ai demandé la permission de mettre des images de votre site, vous m'avez tout de suite très gentiment... Oui, mais monsieur Bousquet, d'autres membres de l'association sont beaucoup plus jaloux de ce qu'ils font. Et vous, vous avez été d'une gentillesse extrême. Vous avez également accepté de venir nous présenter le Louise Pauli. Et ça aussi, je vous en remercie beaucoup, puisque pour nous, il était important. Nous sommes à Montpellier, mais il nous paraît important de replacer les écrivains dont nous parlons dans leur contexte géographique, social, dans le milieu qui les a fait vivre, et aussi peut-être dans ce milieu qui les connaît encore et qui en a gardé la mémoire. Et je pense que c'est un petit peu tout ça que vous avez nous parlé. Vous avez eu également la gentillesse d'amener ici votre exposition, qui est très belle. Et bon, ça veut dire que vous avez aussi fait des petites mains. Bon, je vous en remercie pour tout ça. Et puis, je vous donne la parole en espérant que M. Leblanc n'ait peut-être pas perdu. La circulation de Montpellier n'est pas toujours facile pour vous. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais j'aime bien avoir tout mon monde quand j'arrive. Et quand ils ne sont pas de Montpellier, ça m'ennuie un peu. Voilà, bien. Monsieur. Merci, madame. Est-ce que vous avez la parole? Bon, alors je me présente d'abord Michel Bousquet. Donc je suis membre de l'association des Amis de Louise Pauli. J'en dirai un mot tout à l'heure. Et j'interviens aussi, je dirais, à titre de témoin indirect, parce que je suis réalmonté. Ma famille, toute ma famille est réalmont. Réalmont, c'est la ville où Louise Pauli a passé son existence, puisqu'elle est partie 18 ans comme enseignante en Corrèze. Et le reste de sa vie, elle a passé à Raymond, son enfance, et puis sa retraite prématurée qu'elle a prise à 44 ans. Donc je dis que je suis un témoin indirect parce que ma grand-mère était de l'âge de Louise Pauli et l'a connue, l'a bien connue. Et donc j'ai ce que je voulais vous apporter aujourd'hui, c'est le regard des réalmontés sur Louise Pauli et le contexte un petit peu dans lequel elle évolue. Alors, je vais dire en préambule que ce que je vais faire, c'est ce que Louise Pauli n'aurait pas aimé. Parce que, bon, Louise Pauli est un peu comme Roland Barthes avant l'heure. Hein. C'est-à-dire qu'elle considérait qu'il fallait s'attacher à l'œuvre et hors du contexte. Bon. Et il y a une anecdote qui est un peu connue, qui est qu'un journaliste avait fait un article sur Louise Pauli. En disant, je le cite, « Sa vie intérieure illuminait un pauvre corps délabré. » Et ça, c'est une phrase qui l'a beaucoup frappé, Louise Pauli, qui l'a beaucoup vexé. Et elle en a fait allusion à plusieurs reprises dans pas mal de correspondances qu'elle avait avec des personnalités locales, des joies. Elle a répondu, par exemple, « Rien ne m'a aussi profondément humilié que cet article qui étale si complaisamment mes misères. » Est-ce bien honorer la poésie que de la montrer servie par une si pitoyable servante? Non, si le poème est beau, il est jeune, il est frais, il est l'enfance et non la décrépitude. Il est l'éternité qui n'a ni vide ni malfaçon. Qu'importe tout le reste. C'est dans mes poèmes qu'il faut me chercher. Si vous voulez que j'ai encore envie de vivre, je n'ai ni âge, ni visage, ni forme, autre que ceux que vous trouverez à mes poèmes. Ça, cette citation, elle l'a souvent reprise dans un certain nombre de correspondances qu'elle a eues avec un certain nombre de ses amis. Et il est vrai qu'à la fin de sa vie, Louise Pauli avait une maladie orpheline l'a conduite à une paralysie, à être aveugle dans des souffrances difficiles. C'était une maladie d'ailleurs qu'à l'époque on n'a pas pu identifier. On l'a identifiée après sa mort, c'est une maladie génétique. Hein. Et cette maladie d'ailleurs a conduit à ce que ses trois enfants meurent en bas âge et que sa nièce, qu'elle a élevée, meurt également prématurément du fait de cette maladie.
Ben, j'y reviendrai peut-être. Ce que je voudrais donc d'abord vous montrer, c'est le contexte dans lequel elle évolue, c'est-à-dire la ville de Raimond. Alors, Raimond est une petite commune du Tarn, aujourd'hui 3400 habitants. À l'époque de Louis Apollin, il y en avait un peu moins, hein, 2500 ou 3000. C'est une ville qui est située entre Albi et Castres, dans le centre géographique du Tarn. Et c'est une ville qui est une bastide. Hein. Alors bon, vous savez ce que sont les bastides. Hein. C'est une ville qui a été fondée au XIIIe siècle par le sénéchal de Carcassonne, au nom du roi de France. Le but des bastides était de contrebalancer l'influence des seigneurs locaux. Mais là, mon collègue en parlera mieux que moi, éventuellement. Et il faut savoir aussi que Raimond est à côté de Lombers. Et Lombers, qui est à 5-6 km de Raimond, Lombers, vous le connaissez peut-être, vous le connaissez certainement, parce qu'il y a eu donc un concile à Lombers qui a réuni les évêques cathares et les catholiques. Et donc, à la suite de ce concile, c'est une des versions qui est proposée, on a parlé de guerre des Albigeois, de l'Albigeois, alors que ce n'était pas le centre de l'hérésie, l'Albigeois, mais parce qu'il y a eu ce concile à Lombers, qui est à deux pas de Raimond. Qui avait donné donc le nom à cette hérésie. Bon, alors c'est aussi dans ce but que Raimond a été constitué. Raimond a été donc créé pour contrebalancer l'influence de Lombers qui était à quelques kilomètres de Raimond. Alors c'est une ville Raimond qui est toute petite et comme on faisait des bastides, hein, c'est-à-dire que c'est une ville qui a un rayon de 4 km environ, hein, pas plus. Hein. Et donc, c'est une ville franche. Hein. Alors, l'idée des bastides à l'époque, hein, c'était de permettre l'implantation d'une population à partir, on n'a rien inventé, à partir d'exemptions fiscales. C'est ville franche, en franchise d'impôts. Donc, on faisait venir des gens pour réellement, Real Mund, le monde du roi. Alors, deux explications, le monde du roi parce que c'est une bastide, et deuxième explication possible, c'est parce qu'on dit qu'une partie importante de la population de Montréal dans l'Aude a été transférée à Raimond. Alors, on a tiré les gens avec des questions fiscales, en disant vous serez exempté d'impôts, donc venez, et on leur attribuait des parcelles. Alors, donc, ces bastides, elles sont à peu près toutes faites pareilles, hein, elles sont donc tracées en angle droit, hein, donc c'est l'inspiration romaine, ça, avec une voilà, donc voilà, réellement, ici, hop, une vue générale, qui n'est pas très évidente, mais on peut deviner, donc, la place centrale, ici, et les rues qui sont en angle droit. Vous voyez que c'est quand même pas très grand, hein, voilà. Bon, donc, pourquoi ça a de l'importance, ce que je dis là? C'est parce que réellement, parce que Louis Apollin habite justement une des maisons qui est autour de la place, ici, par là. Hein. Donc c'est-à-dire que Louis Apollin, quand elle ouvre sa fenêtre, elle voit l'église. Et c'est aussi quelque chose qui est important dans sa démarche. Hein. Elle dit quelque part que l'église a été pour elle, je ne retrouve pas le texte exact, mais a été pour elle un spectacle, le rituel hein, catholique a été pour elle un spectacle qui l'a impressionné quand elle était jeune. Bon. Donc, réellement, est une bastide. Ce qu'il faut dire aussi, comment sont faites ces bastides et comment celle de réellement est faite en particulier. Il y avait donc la ville comme ça, et il y avait des remparts tout autour. Il y avait des remparts, là. La ville était fermée. Il y avait des remparts, et pour se protéger, parce qu'à l'époque, c'était une époque de sécurité, on avait prévu des passages souterrains dans les caves et dans les greniers. Et alors encore aujourd'hui, comme dans beaucoup de bastides, hein, vous avez donc des passages souterrains entre les maisons. Comme ça, les gens pouvaient éventuellement, s'ils étaient attaqués, prévoir leur défense. Donc, voyez donc le contexte dans lequel elle est. Deuxième chose qui est très importante, me semble-t-il, pour connaître Louis Apollin, c'est le problème religieux. Le problème religieux à Raimond. Raimond, aujourd'hui, c'est une commune où il y a un temple et une église. Et Raimond, au XVIIe siècle, a été en majorité protestante.
Et la question religieuse a réellement, a toujours été très importante. Les deux communautés se sont fait longtemps face à face. Et du temps de Louis Apollin, la querelle religieuse était toujours présente. Alors, vous savez aussi peut-être que dans le temps, il y a une particularité, mais on pourra aussi en parler, c'est que c'est pas général, hein, mais assez souvent, les ouvriers sont à droite, et les patrons, et catholiques, et les patrons sont à gauche, et protestants. Notamment, c'est vrai dans le sud du département, du côté de la Zélie, hein. Bon. Et donc, il y a réellement une forte opposition à cette époque-là, l'époque de Louis-Apollin. Il y a une forte opposition entre les catholiques et les protestants. Moi-même, dans ma famille, il y a des protestants et des catholiques, et j'ai un grand-oncle qui était protestant, qui a voulu épouser une catholique, sa famille a refusé, il s'est suicidé. Voilà. Donc, je vous parle des années 1900, maintenant tout ça, ça fait rigoler tout le monde. Mais à l'époque, ça les faisait pas. Hein. Bon. Donc, voilà un petit peu le contexte de l'Allemand. Donc, un endroit où, à l'époque de Louis-Apollin, où la question religieuse est importante, il y a les écoles catholiques, les écoles protestantes, les écoles publiques. Donc, vous voyez, la question religieuse est importante et avec, il faut le dire aussi, notamment du côté catholique, beaucoup d'intolérance. Hein, du temps de Louis-Apollin, là je vous parle de mémoire des anciens remontés. Certains curés de l'Allemand étaient particulièrement, c'était des agathos, pour dire les choses de façon plus directe. Bon, donc c'était un contexte qui était assez difficile. Alors, donc réellement, je pourrais peut-être dire aussi deux mots sur les quelques personnalités importantes de réellement. Alors, il y en a eu beaucoup. J'en retiendrai deux. Alors, il y a un premier qui a pu connaître Louis-Apollin. Le premier, c'est Guérin de Bouscal. Alors, Guérin de Bouscal, c'est un consul. Qui vivait donc au XVIIe siècle à Réalmont, et il a la particularité, cet homme-là, d'être écrivain. Et un universitaire irlandais, M. Caldicott, a fait des recherches et a pu démontrer que ce Guérin de Bouscal avait rencontré Molière, par chez vous, mais qui était également, qui avait quelques attaches à Grouillé, une ville qui est à côté de Réalmont. Et donc, d'après cet universitaire, Guérin de Bouscal aurait influencé Molière notamment dans certaines de ses œuvres. Bon, ça c'est pas sûr, mais il est certain que c'est quelque chose qui est possible. Je salue l'arrivée de notre ami. Franchement, les Tarnais à Montpellier, c'est compliqué, hein, Isaac. Oui. Voilà. Bon, il est là, c'est l'essentiel. Excusez-moi, un petit problème. Je ne suis pas loué. Je suis sur la place. Hein, mais oui, mais tu avais l'autorisation de te garer dans la maison. Très mal placé pour. Non, mais tu as l'autorisation de te garer dans la maison. Pour trouver l'entrée. Mais là, je ne sais pas si elle serait capable ou pas. Donc, je préfère rester où je suis, me charrier les livres, et voilà. Ah, et si quelqu'un l'accompagne pour rentrer Brice, tu veux l'accompagner? Merci, Brice. Vous connaissez. Pour rentrer, je ne sais pas, il rentre en voiture. Alors, un dernier mot peut-être sur la ville historique de l'Allemagne, c'est que je vous ai dit qu'il y avait des remparts. Ces remparts ont été détruits au XVIIe siècle par Condé, hein, donc la querelle protestant-catholique de la Réforme. Et alors, l'avantage de cette destruction, c'est qu'aujourd'hui, réellement est une commune avec un espace public qui est très très important. Ce qui fait que ça permet, dans cette commune, de réaliser des manifestations de taille départementale et même régionale. Puisque, par exemple, demain, pour tout vous dire, je suis recruté pour aller faire la buvette de la foire agricole de Réalmont, où vient quand même une foire agricole de matériel d'occasion, où il y a 32 000 personnes qui viennent dans 3 jours. Hein, donc c'est tout à fait considérable. Bon. Alors, ça aussi, c'est important quand on parle de Louis-Apollin, parce que du temps de Louis-Apollin, cette commune, donc, était le siège de foires et de marchés, il y a toujours le marché le mercredi, de marchés très importants, et donc, vous avez même baigné dans cette ambiance de marché. La ville elle-même, je vous ai dit, elle est très petite, comme le sont toutes les Bastides. Hein. Donc la population
au départ, est une population de commerçants et d'artisans. Beaucoup de commerces, beaucoup d'artisans. Aujourd'hui encore, peu d'agriculteurs, parce que la superficie de la commune est tellement petite que les agriculteurs, nous avons 4 ou 5. Hein. Ils sont à l'extérieur. Voilà. Je parlais qu'il y avait donc ce conflit religieux, et puis également un deuxième personnage de Réalmont, que là, forcément, Louis Apollin a connu, mais que nous avons oublié, nous, à Réalmont. C'est un personnage qui est né en 1879, qui est mort en 1962, alors vous ne devez pas le connaître, c'est l'amiral Abrial. Et cet amiral Abrial est une personne qui est amiral en 1940, et c'est lui qui a assuré la fuite à Dunkerque, puisqu'il a été un de ceux qui a organisé le rapatriement des Anglais. Malheureusement pour lui, son action ne s'est pas arrêtée là, puisqu'elle a été ministre de la Marine sous Vichy, de 1942 à 1943. Bon, et donc, il y avait une rue Abrial à Réalmont, autant vous dire que ça n'existe pas, et quand on parle d'Abrial à Réalmont, personne ne le connaît. Hein. Il a été condamné à 5 ans d'emprisonnement à libération, il a été réhabilité ensuite, parce que bon, les choses se sont retournées, etc. Donc voilà, cet homme-là est un homme que Louis Apollin a forcément connu. Donc, voyez le contexte de Réalmont. Autre petite anecdote de Réalmont qui est connue peut-être de ceux qui, comme moi, ont les cheveux blancs. Il se trouve qu'à Réalmont, en 1930, la municipalité a l'idée d'implanter un urinoir noir contre l'église. Le curé de Réalmont, évidemment, proteste, engage des procédures. Ces procédures prennent une ampleur énorme, tant et si bien que c'est un arrêt du Conseil d'État qui a donc été nécessaire pour supprimer cette urinoire. Et alors, cet arrêt du Conseil d'État, moi j'ai fait du droit, par exemple, je me souviens très bien de mes études, cet arrêt du Conseil d'État est un arrêt de principe, un droit administratif, parce qu'il a défini pour la première fois le domaine public. Alors vous savez peut-être que le droit administratif est un droit essentiellement jurisprudentiel. Et donc cet arrêt de Réalmont est un arrêt particulièrement important. Voilà. Alors, l'anecdote n'est pas finie, parce qu'il se trouve qu'il y a un écrivain qui a utilisé cette anecdote pour faire un livre qui a eu un succès considérable, puisque ce livre, c'est Clochemerle, donc qui sort en 1934, et ce Clochemerle est un best-seller, il est encore aujourd'hui publié, c'est M. Gabriel Chevalier qui fait donc ce best-seller, et donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui s'était inspiré directement de ça. Bon, alors maintenant, revenons à Louis Apollin. Alors, peut-être rapidement, Madame Verny, je vais peut-être... parce que j'ai vu que dans la... Vous avez le temps, puisqu'il y a 2 absents. D'accord. Bon, alors, je vais peut-être rappeler un petit peu la vie de Louis Apollin, rapidement, hein, parce que je n'avais pas l'intention de le faire, mais ça me paraît peut-être utile de le dire. Hein. Donc, écoutez, là, nous avons fait un panneau dessus. Bon, elle naît donc en 1888 à Rennes. Ses parents sont cafetiers, ses grands-parents sont agriculteurs. Et elle revendique dans ses écrits le fait d'appartenir au milieu paysan. Hein. Et on sent bien qu'elle a par exemple des correspondances avec une aristocrate, Pascal Olivier, et on sent bien le complexe qu'elle a par rapport à cette personne qui est d'un milieu qui est différent du sien. Bon. Donc ça c'est le premier point. C'est une... on peut le comprendre... Elle a un succès scolaire qui lui permet de bénéficier d'une bourse et qui... Donc elle bénéficie d'une bourse et elle va donc à Castelsarrasin pour préparer le concours d'instituteur. Bien. Là aussi, elle réussit très bien. Sur la lancée, elle se marie avec un dénommé Calcet, qui est un Réalmontais, et qui est le major de sa promotion. Le major de la promotion fille se marie avec le major de la promotion garçon. Bon. Le problème, c'est que ce Calcet, alors ça je le tiens de parents, hein, parce qu'à la fois je me suis présenté tout à l'heure en disant que je suis un peu un témoin indirect, hein, puisque moi je suis né en 53, hein, donc le problème était déjà décédé. Mais ma famille, en particulier ma grand-mère, m'en a parlé. Donc ce Calcel, dont on me parle encore,
était un personnage, comme on dit chez nous, original. Hein. D'ailleurs, c'était quelqu'un qui était violent, ça veut dire, qui l'a frappé. Et donc, ce mariage se passe très mal. Il se passe très mal parce que Louise Apollin a d'abord, en 1908, deux jumeaux qui meurent en bas âge. Et qui meurent en bas âge du fait de cette maladie génétique dont elle est atteinte. Donc, on ne connaîtra qu'après sa mort, le diagnostic ne sera posé qu'après sa mort, et donc, premier malheur pour Louise Apollin, elle perd ses deux enfants. Elle a à nouveau un autre enfant qui naît et qui meurt aussi rapidement. Donc, vous voyez, la vie de Louise Apollin, déjà, c'est un drame. Alors, j'avais oublié, on revient un peu à l'arrière, le premier drame de sa vie, c'est que son frère, elle avait un frère aîné. Son frère aîné est gazé pendant la guerre de 14 et il meurt, comme ces personnes qui ont été gazées, dans un hôpital à 1920. Et Louise Apollin va à son chevet et est traumatisée en fait par cette mort. Je crois que là aussi, il faut replacer, ça c'est mon avis personnel, hein, il faut replacer Louise Apollin dans sa génération. Apollinaire est née en 1880. Elle est née, elle, donc je vous le rappelle, en 1880. Apollinaire est née en 1880. Apollinaire, hein, le poète blessé à la guerre de 14, hein, qu'on connaît avec cette coiffe sur la tête. Hein. André Breton est né en 1896. Aragon en 1897. André Breton et Louis Aragon, vous le savez, étaient étudiants en médecine. Ils partent à la guerre de 14 et c'est cette génération-là qui a été traumatisée, le mot n'est pas trop fort, par la boucherie de la guerre de 14. Et ensuite, autant Aragon que Breton vont partir dans le mouvement Dada, puis Breton fondera, sera l'animateur des socialistes. Et donc, tout ceci pour vous dire que je ne suis pas en train de comparer Louise Apollin avec ces gens-là, mais ce que je dis simplement, c'est qu'elle est de la même génération que ces gens-là, et qu'elle a subi les mêmes traumatismes de cette génération, puisqu'en fait, on est le produit de sa propre génération. Hein. Bon, personnellement, j'ai des filles, bon, et je vois bien la différence, comme dans mon âge, hein, entre les préoccupations que j'ai, moi, de ma génération, j'ai connu 68, le Larzac, tout ça, des choses comme ça. Bon, aujourd'hui, les enfants, et ça, c'est plus leur problème du tout. Donc, chaque génération est marquée par ce qu'elle vit. Bon, et pour Louise Apollin, c'est manifestement cette situation, cette guerre. Autre écrivain également qui a été marqué et qui est de la même, curieusement, de la même année de naissance qu'André Breton, c'est Joé Bousquet. Il s'appelle comme moi, mais Joé Bousquet, vous le connaissez peut-être, c'est un écrivain de Carcassonne qui a été blessé pendant la guerre et qui a fini sa vie dans un lit, dans sa chambre. En 40, il a accueilli les surréalistes, d'ailleurs André Breton et d'autres sont venus à Carcassonne. Donc voilà, tout ça pour dire que nous sommes dans un contexte de souffrance d'une génération qui connaît des difficultés majeures, et Louise Apollin. Alors, je reviens sur elle. Louise Apollin, son frère meurt en 1920 dans les conditions que j'ai indiquées. Elle perd ses deux enfants. Son mariage, juste après, se finit par un divorce. Et un peu dans quelle situation. Et ça, à mon sens, on ne peut pas, lorsqu'on étudie une œuvre, je reviens à Roland Barthes, qui ne voulait pas entendre parler, structuraliste non plus, de ça, mais comment analyser une œuvre si on n'a pas dans la tête ce contexte-là, qui est vraiment un contexte particulier. Et donc, elle vit donc dans ce contexte-là. Et alors, j'en reviens maintenant au Réal Monté, et à ma grand-mère. Louise Apollin est divorcée. Elle est divorcée. Alors, à Réalmont, pour le Réalmonté moyen de 1930-40, être divorcée, c'est pire qu'avoir le sida ou être terroriste. Hein. C'est vraiment l'horreur absolue. La sœur aînée de Louise Apollin est elle-même divorcée parce qu'elle est partie avec un gendarme. Elle est partie avec un gendarme et donc elle laisse dans ce café, son mari, le mari de sa sœur, et Louise Apollin va se charger d'élever sa nièce, qu'elle va considérer comme sa fille. Alors,
Je me remets dans les, dans la peau de ma grand-mère, catholique du type 1900. Voilà une personne qui habite dans un café, un lieu de perdition, un café, surtout à, Réalmont. Je peux vous dire que je disais tout à l'heure que c'était un endroit où il y avait des foires, des choses comme ça, il y avait aussi des maisons de passe. C'était vraiment les paysans du canton venaient là et puis c'était la fête. Bon. Donc, Louisa Paulin vit dans un café, elle vit avec son beau-frère, elle est divorcée, le beau-frère est divorcé, elle élève sa sœur, elle ne va pas à la messe. Alors, vous voyez un petit peu l'image qu'ont les Réalmontais de Louisa Paulin à cette époque-là. Alors, bien sûr, ne généralisons pas. Il y a un certain nombre de Réalmontais qui avaient déjà l'esprit un peu plus ouvert et qui l'ont accepté. Ce qu'il faut dire, la vérité, c'est que Louisa Paulin, elle a été vraiment acceptée, comme souvent dans ce genre de situation, par la population, lorsqu'elle a connu le succès. Hein, là, quand on connaît le succès, tout ce qui était mauvais jusque-là devient des qualités. Bon, donc effectivement, Louisa Paulin, elle a été reconnue, je dirais, lorsque elle a connu le succès, et elle l'a connu assez tardivement. Bon, alors, vous savez aussi, je reviens là-dessus, mais je voudrais pas monopoliser trop la parole, et puis donc mordre sur ce que diront les prochains intervenants, mais bon, ce qui s'est passé, c'est que, donc, après son divorce, elle part, c'est une fuite, hein, elle part, elle est nommée à Tulle, et elle part, elle va y passer 18 ans à Tulle, où elle sera reconnue comme une pédagogue de qualité, elle a inventé Freinet avant Freinet, hein. D'après les témoignages de personnes qui ont été ses élèves. Hein. Et c'est, je crois, on le dit, mais je passe avec les uns, les meilleures années de sa vie. Hein. C'est une période qui lui est très favorable. Et puis la maladie la reprend. Et en 1930, elle a 44 ans, elle revient, elle se fait rapatrier, on va dire, à Albi. Et en 32, deux ans plus tard, elle prend définitivement la retraite, atteinte par cette maladie. Alors cette maladie, qui est une neuropathie de l'anglade, je ne suis pas médecin, mais c'est donc une maladie génétique, dégénérative, qui fait que, bon, elle a une fer atroce, hein, elle a perdu la vue à la fin de sa vie, elle avait l'œil qui sortait du globe oculaire, enfin, c'était vraiment un enfer absolu. Hein. Bon, et donc, elle rentre à Réalmont, on est en 32, et là, elle part en voyage, elle avait déjà, bon, je sais pas si un peu vite, elle avait déjà écrit pendant la période où elle était, mais peut-être que d'autres le diront, hein, elle a déjà écrit en français lorsqu'elle était donc en Corrèze, hein, et elle avait participé bon, il y avait des revues poétiques à cette époque-là, aujourd'hui, hein, bon, donc elle avait participé à des revues, elle avait été publiée un petit peu, bon. Et donc en 32, elle rentre à Réalmont, et là, elle fait un voyage à Puigcerdà, en Catalogne. Et en Catalogne, elle découvre le catalan. Parce que c'est un peu comme chez nous, et c'est un peu toujours la même chose. Les Catalans, ils sont beaucoup plus actifs sur la culture. Déjà à cette époque-là, la langue est parlée. Bon. Et donc, elle est impressionnée par cette découverte. Et cette découverte lui donne l'envie, le goût, d'apprendre l'occitan. Et à ce moment-là, elle redécouvre l'occitan. Bon, l'occitan, bien sûr, elle le parlait couramment. Vous imaginez, sur le marché de Réalmont que je vous ai écrit tout à l'heure, il n'y avait pas un qui parlait français à cette époque-là. Hein. Mais elle connaît l'occitan, mais elle ne connaît pas la graphie, elle ne connaît pas la grammaire, et elle va l'étudier, elle prend contact avec un premier personnage, Boussac, et ensuite elle rentre au collège d'Occitanie. Alors le collège d'Occitanie, qui existe toujours à Toulouse, c'est un établissement catholique qui donc enseigne, entre autres, hein, qui enseigne l'occitan. Et le responsable de l'époque est un chanoine, le chanoine Salvat, avec lequel elle va avoir une liaison épistolaire qui va durer de ces années-là jusqu'à sa mort. Les gens, que encore Jordi Blanc n'a pas encore publié, mais c'est une correspondance que j'ai lue, bien sûr, et qui montre quand même un rapprochement très sensible entre le début et la fin. Hein. C'est-à-dire qu'au début, Monsieur le chanoine, hein, puis à la fin, c'est mon archange, tout ça, donc elle a une relation quasi sentimentale avec lui. Bon, deuxième personnage important pour Louisa Paulin, c'est Père Bosque, hein, Antonin Père Bosque. Donc elle le rencontre, elle ne le rencontre pas, évidemment, Salvat, elle l'a vu deux fois.
Ce père Bosque, elle fait sa connaissance par l'intermédiaire de de la petite fille du père Bosque qu'elle a eue comme élève. Il rentre en contact et c'est aussi une longue correspondance que là, aujourd'hui, m'a publiée, et donc qu'on a retrouvée et qui est assez intéressante. Alors, autre personnage, parce que ce qui est important aussi, c'est vrai que ces correspondances sont particulièrement importantes. Autre personnage dont elle fait la connaissance, c'est Gustave Azaïs. Gustave Azaïs, à l'époque, c'est le secrétaire de la Chambre de commerce d'Albi, animateur des Albigeoises, et qui est un personnage qui compte, comme on dit aujourd'hui. Il a un beau carnet d'adresses. Et donc, ce personnage lui permet un petit peu de faire diffuser un petit peu ce qu'elle fait. Autre personnage important, mais aussi je ne sais pas si j'inquiète pas sur ce que diront les autres, Rouquier, René Rouquier. Alors René Rouquier, c'est un instituteur, alors c'est pas du tout Salvat, hein. Comme Père Bosque était Salvat, c'est différent. Salvat, pour vous le situer, c'est un personnage qui a été responsable de Radio Toulouse pendant l'occupation et qui était maréchaliste. Un bandit, enfin, c'est mal choisi le bon cas. Et d'ailleurs, il a fait un journal qui est remarquable en occitan, c'est Journal de déportation, où il raconte sa déportation qu'il a faite, vous savez, à la fin de la guerre, les nazis ont ramené toutes les apparatchiks de Vichy et qui sont allés, dans les dernières années de la guerre, ils ont été dans les châteaux là-bas, il y a Céline qui a fait des bouquins superbes sur les châteaux. Et donc, Salvat fait partie de ça. Oui, il n'était pas dans les châteaux quand même, Salvat. Non, Salvat non, mais Céline, oui. Céline, il était avec. Céline, il a été pris avec Laval, ils étaient dans un château l'autre. Dans un château l'autre, voilà. Donc, d'ailleurs, on ne voit pas trop les châteaux, d'ailleurs. Hein. Il fait surtout le médecin, Céline. Bon, en tout cas, donc, Salvat est de ce côté, et Père Bosque est de l'autre. Et comment dire, vous appelez se situer un petit peu. Alors, René Bouquet, par contre, lui, c'est quelqu'un qui a eu des ennuis en 40, il est déplacé, il est instituteur, il est déplacé, il est beaucoup plus jeune que Louis Apollin. Et il va être son confident pendant de nombreuses années. Il a donc également une correspondance importante avec Louis Apollin, que a publié Jordi Blanc, et donc c'est aussi un personnage important. Autre personnage, Charles Bénet. Alors Charles Bénet, c'est l'animateur d'une revue qui existe toujours, qui est La Revue du Temps. Voilà, c'est une revue qui existe, c'est la dernière, celle qui vient de sortir. C'est une revue qui existe encore, une revue littéraire, hein, dont Charles Bénet, puis René Rouquier, étaient des animateurs. Alors ensuite, elle a eu des contacts avec d'autres personnes, Théophile Briand, on en parle un peu, des poètes comme elle, Quintet, Pascal Olivier, voilà. Et puis, je dirais, c'est dommage qu'ils ne soient pas là parce que ça m'aurait fait plaisir de le dire devant vous, la dernière personne qui a compté, me semble-t-il, c'est Jordi Blanc, qui n'a pas connu, bien sûr, hein. Mais elle a compté pourquoi cette personne, parce que Jordi Blanc, vous le verrez ici, est celui qui a publié le plus d'ouvrages de Louise Apollin. Si Louise Apollin est encore connue comme elle l'est, soyons honnêtes, c'est grâce à Jordi Blanc, qui, il n'est pas là, donc je peux y aller, c'est vrai, a publié ses ouvrages, donc vous imaginez que bon, l'audience n'est quand même pas gigantesque, c'est pas le best-seller du cauchemar de tout à l'heure. Donc c'est quand même un militant, ce genre de militant, et sans son action, incontestablement, Louise Apollin n'aurait pas la reconnaissance qu'elle a aujourd'hui. Voilà. Bon, alors, je vais dire un mot sur l'association des Amis de Louise Apollin. Alors cette association, donc créée à la mort de Louise Apollin, donc parmi les amis dont je vous ai parlé, dont un très important, c'est René Bouquier, hein, qui va donc animer cette association. Et cette association aura pour but, le but qu'on s'est fixé, c'est de faire connaître Louise Apollin. C'est pour ça que pour répondre à la question de tout à l'heure, hein, notre objectif, c'est de diffuser. Donc, si vous avez un usage particulier de ces
panneaux. J'en ai des fichiers dématérialisés, donc je peux vous les faire dans. Donc voilà un petit peu. Alors, ce qu'a fait l'association, ben, on travaille aussi en collaboration avec Jean Poulain. Nous avons fait un site internet qui actuellement est en panne, hein, ces derniers jours, mais qu'on va remettre à jour. Bon, une flamme, des portfolios, nous essayons, à notre maigre mesure, de maintenir la flamme, étant précisé que la plupart de nos membres sont souvent, à part moi d'ailleurs, d'anciens enseignants. Souvent, le profil de nos membres, c'est la professeure de lettres à la retraite. Voilà, ça c'est le profil du membre le plus courant à la retraite, et malheureusement nous en perdons beaucoup, hein. Pour vous dire, je suis le plus jeune de l'association. Donc voilà, alors nous ne désespérons pas quand même, hein. L'avenir n'est jamais dit, nous ne désespérons pas. On essaie avec nos petits moyens de maintenir la mémoire de Louise Atelin. Vous le comprenez, c'est pas vraiment facile. Mais bon, c'est un objectif qu'on s'est fixé et nous tenons à cet objectif. Bon, écoutez, je pense que je vais en rester là. On pourrait longtemps dire, mais je ne veux pas déborder sur ce que diront les autres. Peut-être que les participants ont des questions à vous poser. Ah, si vous voulez demander à M. Bousquet, qui a très gentiment donné son temps, deux ou trois choses sur. Louise Atelin, voilà. Alors, oui. Aurélien. Bon, alors je précise d'abord, hein, que je vais faire appel à d'autres personnes si j'ai la difficulté pour répondre. Hein. Oui, je t'écoute. Alors, donc c'est une question, et ça, je vais pas l'adresser peut-être à François Pic, mais si j'ai bien compris, voilà. C'est ça. François Pic, qui nous a envoyé une bibliographie. D'accord. Donc du coup, c'est visiblement que vous avez consulté les archives de Louise Atelin. Oui. Donc, je suis archiviste du FIRDOC. Oui. Donc on a récupéré les archives du collège d'Occitanie deux ans et demi maintenant. Pour dire que, donc avant-hier, en cherchant dans les dossiers déclassés du collège d'Occitanie, j'ai trouvé un document, je ne sais pas comment le qualifier, c'est entre l'autobiographie et la biographie de Louise Atelin, compilée par Salvat. Et oui. Alors, si c'est quelque chose qui avait été publié Alors non, par contre, ça me fait préciser une chose suivante, c'est que je n'ai pas parlé dans ce que j'ai dit du docteur Campan. Le docteur Campan a été le médecin qui a suivi les dernières années de sa vie de Louise Atelin. Sa femme a servi de secrétaire à Louise Atelin. Sa femme, d'ailleurs, a rédigé sous la dictée un des poèmes les plus beaux, à mon sens, de Louise Atelin. C'est quelqu'un. Il est, voilà, sur le truc du bas. Hein. Voilà. Effectivement, le docteur Campan avait donc conservé un certain nombre de documents concernant Louise Atelin, et nous avons l'association, il y a quelques années, les a remis à la médiathèque d'Albi. Et la médiathèque d'Albi, a dans ses stocks donc, tout ce qui concerne Louise Atelin que nous avons pu récupérer, de manière à le compiler et à travailler dessus. Donc effectivement, dans le cadre de travaux universitaires, il y a eu un certain nombre d'étudiants qui ont fait des recherches et des études sur Louise Atelin. Il y en a eu, à ma connaissance, il y en a eu les trois, qui ont fait des études, et donc ils ont travaillé entre autres sur ce corpus. Voilà. Vous avez parlé un peu de l'idéologie à réellement. J'aurais aimé savoir quel était son positionnement au niveau syndical, puisqu'elle était institutrice, oui. Syndicale et plus ou moins politique également, oui. Ainsi que celui de Rouquier. Oui, oui. Alors bon, Rouquier, manifestement. Là, je parle encore sous le contrôle de gens comme Jordi Blanc, qui connaissait bien le sujet. Bon, manifestement, moi, de ce que j'en vois, c'est qu'elle s'est tenue. Elle a une fibre de gauche. Hein. Quand elle décrit, Jordi Blanc est le spécialiste de Jean Jaurès, pour le dire. Elle a vu Jean Jaurès une fois. Elle dit, j'ai été frappé par son regard et tourné vers le haut, je crois qu'elle dit exactement quelque chose comme ça. Donc, elle a une fibre de gauche.
Salvat a une fibre de droite, évidemment, c'est évident. Pervosque de gauche, et Rouquet de gauche aussi, puisqu'il a été embêté pendant. Alors, elle, Louisa Paulin, elle le dit à un moment donné, hein, elle est dans le camp des instituteurs. Hein, et le camp des instituteurs, c'est contre les catholiques, hein, si on demande. Hein. Autre aspect dont je n'ai pas parlé, c'est sa position par rapport à la foi. Alors, elle dit, dans sa correspondance avec René Rouquet, elle dit à un moment donné, « Mon Dieu, c'est l'Occitan. » L'Occitanie, exactement. Hein. Ce que l'on sait, c'est que, cet abbé Salvat a essayé de la convertir. Et dans les dernières semaines de sa vie, sa nièce, donc, qui a écrit à Rouquet, peut-être, en disant, ou à Salvat, non, elle a écrit à Salvat en lui disant, elle a demandé à entrer dans la religion. Hein, c'est-à-dire que dans les dernières semaines de sa vie, elle s'est convertie. C'est une conversion très tardive, hein, comme les cathares, hein, c'est le principe. Si je peux me permettre par rapport au syndicat, oui. Elle en parle, oui. Et elle parle du syndicat. Oui. Et Rouquet, évidemment, il a été déplacé parce qu'il était syndicaliste, tout à fait, oui. Mais elle en parle, et entre autres, elle parle de publication, et j'ai pas fait de recherche là-dessus, j'ai demandé à Aurélien s'il pouvait nous aider, mais elle parle de publication occitane dans le journal syndical. Oui. Et donc ça veut dire qu'elle y a œuvré. Hein, oui. Alors, est-ce qu'elle est syndiquée, mais tous les assistés étaient à l'époque. Oui. C'était une évidence. Oh, non, Philippe. Il y a eu plusieurs syndicats quand même. Oui. Ah, alors, il dit le syndicat des instituteurs. Oui, je dirais que sur la question politique, je dirais que, bon, quand dans ses correspondances pendant l'occupation, tout ça, elle parle surtout de privation alimentaire. Elle s'est prononcée contre la guerre d'Éthiopie, hein, avant la guerre, hein, ça oui. Réellement, il y a des réfugiés espagnols qui sont arrivés en 36 et à partir de 36 en 39. Notamment Cordoba, qui est un de nos pères avec joie, elle n'en parle pas trop, à mon sens. Elle n'en parle pas trop. Donc, elle est, par rapport à ces problèmes-là, bon, elle est, disons, traumatisée par la guerre, et j'ai expliqué aussi que c'est cette génération qui l'était. Hein. Elle est traumatisée par la guerre. Bon, il faut dire aussi que la correspondance, je pense par exemple à la correspondance qu'elle a avec Azaïs, le président de la Chambre, enfin, le secrétaire de la Chambre de commerce, ils sont prudents dans ce qu'ils disent, hein. on est pendant l'occupation, donc on fait attention à ce qu'on écrit, hein. Donc on ne se montre pas trop, il y a peut-être un peu de ça. Mais bon, elle est du camp des instituteurs de l'époque, avec tout ce que ça veut dire, ça d'accord. Merci. Sur les études théâtrales d'elle, il y a notamment une étudiante ou une universitaire tchèque de Brno, et avec un document sur internet de 130 pages. Mm-hmm. Et alors, pour mieux la connaître, ce qui est aussi important, c'est son journal des années 1925, qui est très très intéressant, en français bien sûr, quand elle était à Pu, et où elle parle notamment de l'inauguration du monument à Jaurès. Et c'est une femme d'une très vive intelligence, très cultivée, très moderne pour l'époque. Vraiment, ce journal, publié par Vendéra, les... à lire absolument, alors, absolument, pour la connaître. Bien. Des questions, une autre question? Non? Écoutez, on vous remercie beaucoup. Écoutez, voilà. Jordi, je vais laisser la place. Et d'après vous.